bienvenue pour un nouvel épisode de la survie du week-end qui sortira sûrement pendant la semaine car nous avons la nouvelle map en vue. Donc je vais sortir de la grotte, je vais vous montrer comment y accéder et tout ça. Et après donc cet épisode commencera bien sûr avec la découverte du canyon des cendres. Donc la grotte elle est ici. Alors je vais me mettre ici, je vais vous montrer la carte. Donc nous sommes au Mont Timberwolf. Donc, cet épisode va sortir un peu en avance par rapport à ma survie du week-end, mais c'est normal, c'est parce que comme j'avais expliqué déjà, vu que c'est une nouvelle zone, donc Canyon des Cendres, Ash Canyon, de la nouvelle mise à jour, je voulais le montrer en avance, pas que les gens finissent par attendre en fait le week-end. Donc voilà, donc cet épisode sortira en avance. Donc on était au Lac Mystère, on est passé par la Vallée Charmante, Mont Timberwolf et tout ça. Et maintenant, donc au Mont Timberwolf, quand vous arrivez au Mont Timberwolf, vous êtes ici, c'est l'entrée du Mont Timberwolf. Après, vous avez le cabanon de montagnard ici avec le petit lac. Donc, tout simple, vous pouvez passer sur le côté droit directement et après, vous avez une seule corde à escalader. C'est une seule corde en tout, donc très très simple. Ou alors, vous pouvez passer un peu par le centre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis descendu en fait par le moteur. Après, je suis remonté par ici. Et après j'ai pris cette corde là parce que je les avais interverties en fait, ça fait gagner du temps. Et c'est cette nouvelle grotte, donc voilà, elle est là, c'est une nouvelle grotte. Là vous avez l'ancienne grotte, vous avez la clairière aux cerfs, il y a au moins 4 ou 5 cerfs, donc vous pouvez en fait camper ici ou même camper ici si vous voulez, mais c'est beaucoup plus simple. Là vous pouvez faire des provisions avec les cerfs, il y en a 4 ou 5 comme j'ai dit, très facile, très simple, très très safe surtout. Et après vous avez bien sûr donc la nouvelle grotte qui est ici. Donc voilà, vraiment très très simple pour accéder à cette nouvelle zone. Donc maintenant nous allons la découvrir ensemble, nous allons la découvrir ensemble. Donc pour notre équipement pour le moment, vu que peut-être que vous allez regarder ça un peu avec de l'avance, nous avons quelques steaks, ils sont à 0% mais on peut quand même les manger, il n'y a pas de problème. Nous avons un peu d'eau, on a très peu d'eau pour le moment, mais nous avons quand même encore des thés de toute façon, donc tout va bien. Donc on va y aller. On est bien équipé, hein, vous verrez au fur et à mesure, parce que j'ai déjà expliqué en fait dans les épisodes précédents. Mais bref, donc on va y aller. Nous avons des torches, parce que ça a l'air d'être assez sombre à l'intérieur. Nous avons des torches et après nous avons 2 fusées aussi, si jamais on en a vraiment vraiment besoin. Mais on va utiliser les torches. Il nous faudra juste des... On a récupéré du tissu au passage, parce qu'on en avait très peu. Il nous faudra juste peut-être du fuel un peu pour faire plus de torches. Et nous avons, je crois, 38 allumettes, 39 allumettes, un truc comme ça. Donc on y va. C'est parti. Je regarde si tout va bien. On a notre équipement, tout ça, tout est bon. Let's go. Donc découverte de la nouvelle zone. Donc la grotte qui mène au canyon. Nous avons du charbon, mais on est déjà assez lourd. Je pense pas qu'on en aura vraiment besoin du charbon. Alors, 2 passages, droite ou gauche. On va d'abord prendre celui-là de gauche. Ok, cul-de-sac. Non. Ça doit sûrement se rejoindre, j'imagine. Donc je me suis pas vraiment spoilé ou quoi que ce soit. En tout cas, enfin... Là, c'est quoi ça? C'est un loup? Là, on a un cadavre. Faudrait pouvoir y passer. Ok, on va revenir sur nos pas. On va revenir sur nos pas. On est un peu fatigué, il commence à faire nuit aussi, doucement. Donc il va falloir faire attention à ça. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que cet épisode va sortir maintenant. Mais j'ai eu 2 épisodes, en fait, juste avant celui-là, pour arriver, donc... à cette nouvelle grotte, et la mise à jour vient de sortir juste avant... Bah tiens, on peut pas y accéder, intéressant. Vient juste de sortir avant que je commence les épisodes, donc c'est-à-dire il y a à peu près 4 heures. Ouais, 3-4 heures on va dire. Donc pour le moment il n'y a aucune information sur Ash Canyon, j'ai vu à peine j'ai vu le trailer bien sûr des développeurs. J'ai fait même une petite vidéo dessus, mais c'est tout. Donc ça va vraiment être tout nouveau, toute la découverte, toute unique. C'est bizarre, ça me dérange de ne pas pouvoir aller là-bas. Ah, peut-être qu'on peut... peut-être par là. On va y aller. La grotte est super grande. J'ai pas de lampe sur moi, j'ai pas pris de la lanterne. Ok, je crois qu'on y est. C'est quoi ça? C'est un loup? Oh, c'est un loup normal. Ok, très bien. Alors, fais voir toi. Ok. C'est marrant parce que t'as des... On va prendre le charbon. On va être peut-être un peu lourd, mais on va se débrouiller. T'as des chaussures qui sont extrêmement bonnes, je crois, pour la survie. Enfin, non, en intrus, on peut pas les avoir. Mais elles sont très très bonnes. Là, du coup, il y a quoi? Ouais, on va les prendre, pourquoi pas. On pourrait faire du feu ici. Non, attendez, j'ai une idée. On va faire du feu ici et on va prendre des torches. Parce qu'il me reste plus qu'une seule torche à 100% et j'aimerais pouvoir la garder en fait de côté. Très bien. Ok, on a une heure. Alors attendez, on va manger et boire déjà, comme ça sera fait. On pourrait même dormir ici honnêtement, on pourrait faire, ouais, on pourrait faire une petite pause, mais j'ai envie d'avancer. À la limite, vu qu'il fera nuit, on dormira à l'entrée de la grotte. Voilà, très bien, c'est une grosse torche. On va détruire celle qu'on avait. Très bien, on va pouvoir mettre le petit bâton dedans. Voilà, parce que sinon ça va être un peu un problème en fait. Le coup des torches... Ouh, j'ai l'impression qu'on récupère des très bonnes torches à 50%+ en fait. Enfin, proche des 50, on va dire. Il reste encore 50 000. À la limite, ce qu'on va faire, c'est un peu d'eau. Un tout petit peu d'eau. Très très bien. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire bouillir un truc. On va le mettre à côté. Réchauffement, très bien. Très 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 bien. Ça s'avance, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Voilà, je vais vous montrer vite fait l'équipement peut-être, le temps que bouille dans 7 minutes. Donc nous avons très bon équipement, hein, donc pour le feu on a des allumettes, fire steel, loupe, pour le médicament on a tout ça, donc c'est bien, on a j'ai pris 2 stimulants, on sait jamais. Les vêtements, on a très 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 bons vêtements en très très bonne qualité. Pour ce qui est de nourriture, enfin on va dire boisson et tout ça, on a du café et de la tisane en réserve, on en a 2 de chaque qui est déjà fait. Après pour les outils, on les a tous à 100%, couteau, hachette, si on a le sac de couchage en peau d'ours évidemment, pied de biche pareil, nous avons une pierre aiguisée et un nécessaire de couture. Donc ça va bien se passer, et après on a un peu de tissu et un cuir, on sait jamais, pour la sacoche si jamais elle s'abîme. Très bon. Très très bien, on va prendre ça, on va le boire. Comme ça on aura notre petit bonus. C'est parti. Marrant qu'il y a un chemin sur la droite là qui monte. Après c'est un cul-de-sac. Donc là on a pas mal de torches, ça c'est bien, c'est vraiment pratique de pouvoir prendre des torches comme ça. Bon, elles sont jamais à 100%, mais c'est déjà ça. Voilà, on a un petit bonus de chaleur, on n'est pas trop fatigué. Par contre on est à 43 kilos, ça va. Je vais juste regarder là s'il n'y a pas quelque chose. Alors dans le canyon des cendres, le Ash Canyon, je vais appeler Ash Canyon sûrement, je vais sûrement utiliser le terme anglais. Mais il y a deux objets uniques à récupérer. Le trailer des développeurs vous indique ces deux nouveaux objets. Donc allez le voir si vous êtes intéressé. Je vais pas en parler pour le moment. Si quand on les trouvera, on en parlera quand on les trouvera. Mais deux objets complètement uniques à trouver sur cette nouvelle map. Ouh, ok, on est prêt. C'est parti. J'espère que le temps sera bon. Alors faut trouver déjà un emplacement pour s'abriter. Parce qu'il commence à faire nuit. Alors on peut toujours revenir ici. Waouh, ok, super. Bienvenue dans le Canyon des Cendres. Bienvenue dans Silent Hill, ouais. Je pense pas qu'on ait besoin de la torche. Ouais. Faible visibilité, ça c'est un peu relou quand même. Peut-être qu'on devrait quand même garder une torche allumée. Ouais, alors par contre je suis pas super fan de la faible visibilité, honnêtement. J'entends des corbeaux, on va aller sur la gauche. Donc là il y a un lac... Enfin... Ouais, oui, non, oui. Lac gelé... Je pense qu'on va pas s'aventurer trop loin d'ici. On va revenir dans la grotte et dormir dans la grotte, ça va être beaucoup plus sage. Parce que j'ai un peu peur qu'on se perde, surtout dans ce brouillard. Juste voir un peu aux alentours s'il n'y a pas quelque chose. Et en plus on peut même pas dessiner rien. J'entends des corbeaux de ce côté. J'entends une chute d'eau. Le truc c'est qu'il fait pas froid, donc honnêtement c'est vraiment top. Appui du pilier. La chose c'est qu'il fait pas froid, donc ça me donne envie d'explorer en fait. Mais on voit rien. on voit strictement rien. Nouvelle musique aussi. Nouvelle musique, ça c'est cool. Ok, là on a l'impression d'être dans une sorte de cul-de-sac par contre. On va voir. On peut peut-être monter. Pas mal la musique, j'aime bien. Ça met dans l'ambiance. Pas entendu de loup, rien pour le moment. Ça on peut le détruire. Oui, on peut le détruire. Alors il y a un passage là, il y a un passage là-haut. On va garder les torches allumées pour le moment. Vu que on voit pas grand chose et on n'a pas d'abri pour le moment, on va garder une torche. Ah, on va s'amuser hein, pour retrouver le chemin. Ouais, maintenant on est parti pour... Je vais être honnête, là on est parti pour explorer. Ouais. On est parti pour explorer. J'ai cru que c'était un bâtiment. Je me suis dit waouh, trop bien. Non, c'est pas un bâtiment. Je sais pas du tout où on va. Si jamais on doit revenir en arrière, je sais plus ou moins. Le chemin est assez linéaire, ça va. Ok. Oh putain, ça y est, ça commence. Oh waouh, ok. On peut passer par là? Non. Non, me dis pas qu'il faut que je descende par là. Attends. j'arrive pas à remonter. J'arrive pas bien... Vous croyez qu'on peut descendre comme ça, là? Non, on va pas tenter. Ah oui. Je pense, oui, il y avait un arbre, ça faisait une sorte de pot encore. Je pense qu'on peut descendre. Je pense qu'on peut descendre. Bon, il faut se rappeler cet endroit-là. Donc, on va dire que c'est le canyon directement. Et là, on est plus ou moins autour du canyon. Donc on peut directement descendre par le canyon comme ça avec... Ouais, là aussi c'est le canyon. Par les arbres. Pour faire des ponts. Intéressant. Quand ça fait nuit, si on trouve pas de grotte, rien, il va falloir revenir en arrière. Bon, le temps a l'air d'être ok pour le moment, je suis content. On entend une chute d'eau, je vais voir si on peut pas se rapprocher de la chute d'eau, la plupart du temps il y a des grottes. Peut-être on va passer par là. Genre près des parois. Qu'est-ce qu'il nous reste en... Il nous reste encore une torche. Là on dirait un chemin. Je pense que c'est complètement un chemin ça. Par là-bas. Bon c'est un peu embêtant d'arriver pendant qu'il y a le brouillard de Silent Hill quoi, mais on voit pas grand chose. Mais... Oh mon dieu, ils aiment bien faire ça ici, apparemment. Doucement. Oh mon dieu. Ok. Où est-ce qu'on est? Ah, ça serait tellement bien de pouvoir dessiner, parce qu'on est en hauteur. Là, on pourrait cartographier énormément d'emplacements. Oh, ça serait vraiment bien. Bon, on va continuer. La plupart du temps, s'il y a un chemin, ça veut dire que c'est intéressant. Hein? On va dire que ça mène à quelque part. J'espère que celui-là, il mène à Rome. Ah, c'est pour redescendre, j'imagine. Ouais. Je sais même pas vraiment s'il y aura des bâtiments ou des choses comme ça. Pour le moment, je voudrais juste une grotte, en fait. Après, comme j'ai dit, on a du café et tout ça, s'il n'y a pas de problème, vraiment. Mais... Je voudrais bien un emplacement pour qu'on dorme, quoi. Qu'il soit à l'abri. Putain, ça a l'air d'être méga grand, là, par contre. Où est-ce qu'on est ? J'essaye de rester collé à des parois. Pas de grotte. Non. Encore heureux qu'on n'ait pas froid. Ouais, on va la laisser cette torche. Je pense qu'on va commencer à avoir froid. Il fait 2 degrés. Je pense que la torche... ouais, on va passer en dessous des 0, je crois. Bon, pour le moment, pas grand-chose. J'ai envie d'aller là-bas. C'est quoi ça? Oh, un feu. feu de camp. J'aurais pu l'allumer avec la torche, mais ça sert à rien. Enfin, on a plein d'allumettes et tout ça, et c'est pas vraiment un problème en fait. Oups. Ah, attendez, là on peut descendre, mais j'ai pas vraiment envie de redescendre. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? On voit rien. On va revenir en arrière. Vous savez, le chemin que j'ai montré. On va revenir en arrière. On a un peu de... Ouais, ça va. Bah, on a les charbons, ça qui est bien. Si jamais on a besoin d'un feu assez fort et... Pour nous tenir genre à l'extérieur et tout, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura vraiment aucun problème, donc ça c'est bien. On va voir là-bas, là, de ce côté-là. On a entendu des loups près du canyon là quand j'étais en train d'essayer de descendre. Mais sinon rien depuis. Enfin, je pense pas. Donc ça a l'air d'être ok. Ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'on trouve aucune grotte quoi. Rien du tout. Bon, on va repasser par le feu de camp et on va repasser. On va continuer. Je voudrais bien sprinter et tout ça, mais il fait nuit, elle est fatiguée. Donc si on commence à sprinter et qu'on sait pas où on va devoir dormir à la belle étoile. J'ai pas vraiment envie. Oh mon dieu, j'ai l'impression que c'est de pire en pire le brouillard. J'ai vraiment l'impression que c'est de pire en pire. Après, si on trouve un emplacement assez isolé, pas isolé, mais genre assez clos, on en fait un camp, hein, évidemment. Oh, où on est... Oh. Je distingue des arbres, je crois qu'on va devoir descendre. Ça a l'air d'être un peu risqué. Je crois qu'on va devoir descendre la paroi. Ça a l'air d'être faisable ou pas? Oui, ça a l'air d'être faisable. Ok, c'est parti. Ok, très bien. Un peu un mix d'aller sur le côté et de s'accroupir, ça passe. Ok, on voit les arbres. J'ai l'impression que c'est fait exprès. On est peut-être pas là. J'espère qu'on n'est pas bloqué ici parce que sinon ce serait un peu la merde. Ok, là on est bien. J'arrive pas à distinguer si c'est si c'est une pente ou si ça tombe direct. Hop. Très bien, très bien. Ah, je voudrais bien voir s'il y a des animaux. Genre des dangers peut-être, non? J'entends rien, donc j'imagine que non. C'est bon, on est bon. Je crois qu'on était tombé. Ça a l'air d'être ok. Oups, pardon. J'ai entendu des... C'est un cerf, ça. Vous entendez? Ah, là! Il y a un cerf, ok. Ouh, une grotte! C'est quoi ces... Ces effets de lumière. Ok, on a trouvé notre emplacement. On a trouvé notre petite maison pour le moment. Il y a un cerf pile devant. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Grotte des Plateaux. C'est grand. Wow. C'est pas les mêmes que d'habitude. Est-ce qu'il fait chaud à l'intérieur? Ah merde, par contre il fait pas chaud. Vous voyez, on est toujours... Ah, il n'y a pas de profondeur comme les autres grottes en fait. Ah, ça c'est embêtant ça par contre. Ça c'est un peu embêtant. C'est un peu risqué en fait de dormir comme ça. Ah ça y est, on voit un peu plus. Ok, alors fais voir un peu... attends, on va se mettre... Je voudrais monter, merci. Alors, on a un cerf ici. 2 cerfs, très bien. Ça a l'air d'être tout brûlé, en fait. Là, on pourra explorer. Ok, ok, ok. Ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être pas mal, c'est bien. Donc on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter là, on va dormir ici. Et après, on va continuer notre exploration. Donc, on est à l'abri du vent. Je pense qu'on est bon, honnêtement, parce que le temps a l'air d'être ok ici. Hein. A l'air d'être assez ok. Ouais, on a l'air d'être ok. De toute façon, on se réveillera si jamais on est... On a froid. Mais non, non, ça va, on va pouvoir dormir. Je crois que je vais d'abord dormir 5 heures. On va faire 2 fois 5 heures peut-être pour être tranquille. Pour, on sait jamais, hein, si jamais il fait trop froid. On va manger ça. Ça, on va pas l'ouvrir pour le moment. Ah, très bien. On va manger ça à fond. Ok, parfait. Ouais, on est bien. On va faire 6 heures. On va faire 6 heures. Ok, ok, ok. Donc ça va, le temps... Moi j'avais peur du temps surtout, hein, évidemment. Donc le temps a l'air d'être bien. Moins 6 quand même, c'est un peu plus froid que... qu'avant de dormir. Donc ce qu'on va faire, on va faire encore 5 heures. On va la jouer safe, hein, évidemment. On va faire encore 5 heures. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chasser un cerf. 5 heures... Ouais, ça devrait passer. On va être en pleine forme de toute façon. Et on va encore chasser un cerf. Enfin, encore, on va chasser un cerf ou deux. C'est bon, on est en pleine forme. On va laisser la peau ici. Et on va faire un feu. On va faire un feu. Attendez, on va faire un feu. Enfin, du coup, c'est un peu con de se mettre aussi profond dans la grotte. Vu que de toute façon, on n'est pas vraiment protégé du vent ou quoi que ce soit. Alors, hop, tac. Tac, 35, c'est très bien. Il fait pas extrêmement froid. Évidemment, maintenant, on voit plus rien. J'ai envie de dire, est-ce qu'on n'attendrait pas qu'il fasse jour? Je ne sais pas. Parce que j'arrive déjà à voir s'il y a un cerf qui traîne. J'aime pas quand il neige comme ça, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. On va attendre un peu. Moins 8. On commence un peu à faire... On commence à avoir froid. Ok, très bien. Moins 8. 2 heures. Ah oui, mais elle est en pleine forme encore. Ok. On va, je pense qu'on va attendre dans le sac de couchage, tout simplement. Je crois qu'on va faire ça. Ouais, je sais, Ok. C'est un peu mieux, Non, il faut se bouger parce que sinon on va commencer à trembler et ça va être un peu un problème pour toucher nos cibles. Ouais, ça. Je crois que c'était un loup, mais c'est un bout d'arbre. Donc un cerf là, à gauche. C'est quoi ça? Ok. Avant qu'on ait trop froid. Je vois rien! Très bien. L'autre il est où? L'autre il est là. Très bien. Je sais pas si on va pouvoir le... Ouais, non, on va pas le faire. Ok. Très bien, ça nous fait un cerf. Pour le moment, on a du... On a du bon temps. Ce qu'on va récupérer, c'est que... On va récupérer... le bois. Et on va faire un feu juste à côté du cerf pour cuire directement la viande. Au final, on va tout prendre. Parce qu'on n'a pas besoin vraiment de rester dans cette grotte-là. Pour le moment. On va prendre le sac de couchage et tout ça. Est-ce qu'on va utiliser le charbon? Je sais pas trop. Il est où mon sac de couchage, là? Oui, je sais ça. C'est quoi ça? Non, ça arrive. Ok. Bon, pour l'instant, je suis content parce que ça va faire quand même quelques heures qu'on est là-dedans. Dans cette nouvelle zone. Si on était genre, par exemple, à la Vallée Charmante, on aurait déjà eu une tempête. Parce qu'il y a plein de tempêtes dans la Vallée Charmante. Donc, j'imagine qu'ici, il n'y a pas vraiment trop de tempêtes. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Le temps n'a pas l'air d'être extrêmement froid pour le moment non plus. Donc ça va. Par contre, il faut quand même qu'on trouve un endroit pour se reposer. Faut qu'on trouve un endroit quand même. Genre une maison détruite, une maison abandonnée, ou alors une grotte, mais une vraie grotte avec une vraie protection. Parce que là, il n'y a pas vraiment de protection en fait. J'ai envie d'utiliser un charbon. 3 heures. Il fera chaud au moins. Alors, comme d'habitude, on va faire tac-tac. On va faire cuire ça. On va le mettre à côté. Très bien. On va garder l'arc à la main quand même, hein, juste au cas où. Juste au cas où. Bon, pour l'instant on n'a pas besoin de trop se presser, donc on va le faire à la main. Ah oui, un truc qu'on veut faire c'est de l'eau aussi. Donc hop, hop. Voilà, tranquillement. 10 minutes, très bien. C'est protégé du vent pour le moment. J'ai envie de déplacer le feu. Ah non, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le plus de viande possible. Et on va la faire cuire dans la grotte, je pense. C'est un peu embêtant, on a utilisé le charbon pour rien, c'est super. Ça fait plaisir. On n'a rien oublié, non. Ça fait plaisir. La plupart du temps, j'utilise pas les charbons à l'extérieur comme ça. Mais là, vu qu'on en avait 7, je me suis dit pourquoi pas. Et bien voilà. La prochaine fois, on utilisera ça quand on sera à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. On a récupéré 5 steaks, un truc comme ça. Bien. Je pense qu'on va faire l'emplacement, on va le mettre ici. Parce que ça sert à rien qu'on se mette à... moins 6 là. Ça sert vraiment à rien de se mettre à l'intérieur. Ouais, non, c'est pareil. Ça sert à rien. Donc... on va mettre le feu genre ici. Non. Ici. Très bien. On a plein d'allumettes, hein. J'en avais pris plein au cas où. Donc on risque rien. Même si on les utilise un peu trop. Par contre, cette fois, on va faire ça. On va même mettre le sac de couchage ici. Très bien. Ça on peut le manger. 2 heures. Très bien. Ça je crois que je vais le... Je crois que je vais le déposer. Alors je sais qu'on peut le manger et tout ça, on risque rien. Mais ouais non. On va le laisser comme ça, ça nous fera un joli camp ici. Là, très bien, il faut qu'on fasse de l'eau. Il faut qu'on fasse de l'eau, nos vêtements sont bons, il y a juste ça, il faudrait peut-être le raccommoder, on verra ça. Ça va, ça va, ça va, on est bien, on est bien, on est bien. Ah oui, j'avais pris des... Voilà, parfait. Maintenant, on va pouvoir déjà avoir ça. Grotte des Plateaux. Ça marche. Donc nous, on a fait... je dirais qu'on a fait tout ce chemin comme ça. Je pense qu'on est arrivé... Genre par là, ou... Enfin, dans cette direction. On vient de là, et je crois qu'on a fait tout ça, nous. Comme ça. Alors, est-ce qu'il y a après encore de la... De la map là, genre est-ce que ça va encore plus loin, je ne sais pas. Enfin quoique non, parce que vu qu'on est descendu, vous vous rappelez, on est descendu la montagne. Donc je pense bien qu'on a fait comme ça en fait. On s'est retrouvé derrière et après on est descendu. Quand on sera plein en température, j'ai envie d'aller prendre d'autres steaks. Est-ce qu'il fait vraiment très froid? Est-ce qu'on a le temps de prendre un steak? Genre là, on est à l'abri du vent là, non? Ça va, ça passe. Pour être... en gros, c'est vraiment pour être bon niveau nourriture et tout ça. Comme ça, on va pouvoir continuer à explorer. Parce que j'ai pas envie de m'arrêter toutes les 5 minutes, en fait. Le vent s'est arrêté, tu vois. Il fait beaucoup moins froid. Il fait vraiment pas vraiment froid, en fait, quand on est protégé du vent. C'est vraiment pas mal. Bon, par contre, elle est embêtante, cette grotte, pour rentrer. Pour rentrer dedans. Alors, je voulais faire ça. On va en mettre un là. Okay, très bien. On va faire un peu d'eau. Est-ce qu'on peut faire un... Ok, on a les 3 disponibles. Parfait. Ok. Alors je pense qu'on va un peu bouger. On va un peu visiter. Encore un peu. Mais en tout cas, voilà. Ici, ça sera notre... Pour le moment, c'est un peu notre emplacement par défaut. Parce que bah, on n'a pas mieux. Là, on va faire encore de l'eau. On a encore 2h40 de feu. On va aller reprendre les derniers steaks qui manquent. C'est quoi ça en haut? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ce qu'il y a en haut? Là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Ok, bon. J'ai rien dit, hein. On n'a rien vu. Tout va bien. Ah, c'est Hinterland. Des fois, il faut un tout petit peu concurrence avec Bethesda. Un tout petit peu. Ok, on a les... J'ai envie de prendre la peau, honnêtement, pour la faire sécher dans la grotte. Mais bon. On va dire que pour le moment on n'en a pas vraiment besoin des peaux. Donc ça m'étonnerait que... Enfin ça m'étonnerait qu'on en ait besoin tôt. Donc ça sert un peu à rien de les mettre de côté. Allez avance! Ouais, on va pouvoir se déplacer, il fait pas très froid à l'extérieur. Très bien, très bien. Alors, ramasser. Voilà. On a encore 2 litres et quelques, c'est très bien. J'ai même envie de mettre 1 litre ici, honnêtement. Hop, hop. On a encore 1h50. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là ou on bouge un peu? J'ai envie de bouger, moi. J'ai envie de bouger un peu. Hop. Ça, on va le mettre là. On va prendre 2 steaks. Ok, très bien. C'est parfait. On va peut-être revenir ici hein, pour se reposer. Pour dormir, comme ça on finira l'épisode ici peut-être. Mais d'abord je veux voir un peu, je veux un peu m'avancer. C'est pour ça que j'ai fait cuire un thé et tout ça. Ok, on pourrait remonter par là. Du coup, ça nous, on retomberait au-dessus, je pense. Intéressant. Faudrait qu'on monte pour dessiner. Ah, on aurait dû peut-être laisser les charbons ou les bois ou quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on est un peu lourd. Bah pour le moment on est lourd, c'est normal parce qu'on n'a pas vraiment d'emplacement donc. On va trouver un meilleur endroit. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tout est brûlé? C'est étrange, non? On a 2 steaks, on a de l'eau. On a bien récupéré. Chaque fois je vérifie parce qu'une fois j'avais complètement oublié. Parce que là apparemment il y aurait le canyon donc on peut descendre. Et du coup ça signifierait qu'on peut peut-être pas remonter. Ou alors difficilement. Ouh la vache. On a des... C'est quoi ce bruit ? Sans déconner. 3. Ok, très bien. Oh la vache. Encore heureux que je les ai entendus, hein. Y a pas un abri? Où est-ce qu'on est? Il faudra un abri... Bon après on peut se les faire je pense. Sans trop de problèmes mais... Je pense qu'on est assez loin. Si jamais vous voyez une maison, un truc, vous criez, hein, s'il vous plaît. Ah, maison, maison, maison! On peut passer ou pas? Je veux pas que ça casse. Hey, go! Ah, tcha, tcha, tcha. Entre du pêcheur, ok, ok, ok. Oh, ça a l'air pas mal ici, ça a l'air pas mal. Surtout que nous, on peut manger du loup et tout ça, hein, y a pas de problème. Ouh la vache. Oh, j'avoue que c'était assez impressionnant de voir les 3 loups comme ça passer côte à côte. J'ai entendu des pas et il y en avait trop en fait. Ça m'a un peu impressionné sur le coup. Oh, parfait, on peut crafter. Oh, il y a un fétou, il y a du bois. Alors, il y a du bois ici, c'est très bien. Là, on a du métal, on a un outil rouge en plus, ça c'est bien. Là, on a encore un peu de bois. Très bien. Est-ce qu'il y a des hameçons? Est-ce que vous voyez des hameçons? Non. Ok, on a trouvé un super endroit. Ah, je suis content. Une pointe de flèche. Ok. Deux pointes de flèche? C'est proche de l'impossible en fait en intrus. Ça c'est top. On a une pompe de peinture. Très bien. Ah, on a un lit aussi. Très bien. On a de la nourriture. D'abord, on va se vider un peu. On va faire ça. Ça, pas besoin. Genre les trucs un peu lourds qu'on n'en a pas vraiment. Genre les massettes. Bon, maintenant, on va... ça va être notre camp ici. Donc on va faire ça. On va en prendre 10 sur nous. Voilà, comme d'habitude, 10. Pas plus. Les vêtements, on n'a pas trouvé des nouveaux. Ça, on les dépose aussi. Pas besoin. Ça, on va en déposer de plus. Comme ça, on en a 5. Là, on en garde 10. On en dépose un. Très, très bien. Le charbon, est-ce qu'on le dépose ici ou pas? Non, je pense qu'on va le déposer par terre. Par contre, si on fera cuire des choses, ça sera à l'extérieur. Parce que là, il n'y a qu'un seul emplacement. Voilà, 34 kilos, c'est très bien. Parce que là, il n'y a qu'un seul emplacement, donc c'est un peu la merde. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un fait-tout déjà. C'est quoi ça? Bon, c'est juste une étagère. Là, on a un livre. Ça nous sert à rien. Ah, je crois que c'est le tir, ça. Oui, non, les armes à feu, oui. Enfin, c'est pas comme si on allait en trouver, mais... Très bien. J'ai de plus en plus de mal à trouver des excuses pour ne rien dire. Ces mineurs ne me respectent peut-être pas, mais ils continuent de creuser comme ça. C'est trop profond, bien trop profond. Donc il y a une mine à trouver. On va devoir aller à la recherche d'une mine. Où il y a des objets sympas à récupérer. Il n'y a rien d'autre ou pas? Bon, on a eu une belle petite frayeur, mais ça va, ça va. Honnêtement, très très content. Très très content. Du coup, on va jeter ça par terre. On va pas le mettre dans des boîtes, parce que sinon ça va les détruire. Donc on va juste les garder comme ça. Donc ça c'est bien, parce qu'on a un établi ici, on a un lit. Bah, parfait, on a vraiment l'endroit parfait. Avant de se quitter, parce que je pense que là l'épisode il va être il va faire l'heure. Ah oui, le livre, on va le laisser pour le moment. J'ai envie de dire ça aussi, ça aussi. Le reste est bon. Quoique ça aussi. Ça aussi. Ok, 34 kilos, très bien. On va dessiner. On va dessiner notre emplacement. Ah, ça fait plaisir, ça se passe bien. Parfait. Ouh, le pont, vous voyez le pont là-haut? Faudra prendre le pont. Ça a l'air top. Attendez, j'entends un bruit. Je veux pas me faire choper par un loup en fait pendant que je dessine. C'est quoi qui vient de passer là? Ah, c'est un cerf. Ok, c'est un cerf. Donc attendez, nous on vient de descendre par là-bas. Là-bas il y a les loups. Là-bas il y a les cerfs. Ok, très très bien. Très 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 bien. On a des massettes aussi à récupérer. Donc on a un cerf. J'ai envie de dire, on peut peut-être déjà faire le cerf. Comme ça, pour la prochaine fois, on aura déjà de la nourriture en réserve. Je crois que c'est une bonne idée. Parce qu'il va faire nuit bientôt. Alors on va peut-être un peu continuer l'épisode. Il sera un peu plus long que prévu. Je sais pas encore vraiment. J'ai envie même de prendre des cailloux et de faire un truc. Mais... je l'avais pas vu lui. Alors attends, si tu peux aller sur le cerf... Il est parti où ce con? Ok. Si tu peux aller sur le cerf... Et après on te met une flèche. Ça pourrait nous économiser un peu des flèches. T'as l'air un peu abruti par contre. Ok, d'accord, donc ça c'est le... Ouais, alors là-bas vous avez les loups tueurs qui rôdent à 3. Et là vous avez le loup solitaire complètement teubé. On sait toujours pas... On sait pas pourquoi il est encore en vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sur moi ou il est sur le cerf là? Vas-y, attaque-le! Il est en train de glitcher à mort. Ok, vous savez quoi? On va rentrer, on va rentrer. Parce que j'aime pas trop ça. On a déjà eu des petits glitches comme ça avec les loups et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer et ressortir pour, on va dire en gros, reset la l'IA. Parce que on a eu des choses comme ça s'est mal passé. Parce que ça finit toujours par le loup vous saute dessus inattendu en fait. Donc c'est un peu étrange. Donc voilà, on va faire ça, tranquillement. Je pense qu'on va simplement tuer le loup. Je pense qu'on va simplement le tuer. Parce que... il est mal placé et il est embêtant. Il est où? Il doit pas être très loin normalement. Par contre, on va en profiter pour les massettes. Ok, très bien. Attends, il va où là? Oh, la musique qui se coupe et tout en même temps. Bon, tu me fais un peu chier là par contre. Ouais, non, mais là, par contre, t'es un peu relou, toi. Espèce de demeuré, hein. On a plein de cailloux, par contre, c'est bien. Le cerf là. On va se faire le loup, hein. Il faut qu'on se le fasse le loup. Là-bas on entend une chute d'eau. Je sais pas comment on fait pour aller là-haut. S'il faut ça va être un gros détour. Ah bah là une petite chute d'eau. Petite cascade. Il est allé où? Bon, je crois qu'on va faire... Ça va être la fin de l'épisode. Je crois, parce que sinon on va courir après le loup pendant 7 heures. Et moi déjà, ça me rend fou là en ce moment. Ça commence à m'énerver. Donc je pense que c'est pas super intéressant à regarder non plus. Donc la prochaine fois, on finira le loup. On tuera le loup. Donc on va dormir. On va sûrement se réveiller pendant la nuit, mais c'est pas grave. On fera un petit tour nocturne au cas où. Mais voilà, donc c'était le premier épisode de Ash Canyon. Ça se passe plutôt bien, ça s'est bien passé même j'ai envie de dire. Vraiment très content. Très content, on était très bien préparés aussi, il faut l'avouer. Donc on a un très bon emplacement, on a trouvé des objets assez sympas. On a une très bonne petite maison en fait, honnêtement. Ouais, non, honnêtement c'est vraiment cool. Je suis assez content. Ce qu'on peut faire même c'est casser ça pour gagner un peu de temps. Enfin, passer un peu de temps. Pour mettre du bois de côté. Voilà. Ça on peut le faire à la main aussi, très bien. Voilà. On va mettre ça là. Très bien. Du coup, on va manger. On a plein de massettes à récupérer. On a des cerfs, on a des loups. On a une grande zone tout autour de la maison hein, à fouiller. Ça, c'est sur le chemin, ça m'embête. Même si on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. C'est vraiment cool. Très bien. J'ai envie de virer moi ça aussi. C'est moche. On refait la décoration. On est en train de refaire la décoration. Voilà, très bien. Voilà, là, c'est un peu mieux déjà. J'ai envie de dire pour le reste, on laisse ça comme ça. Là, on a une étagère. On a encore une caisse. Ok, très bien. Voilà, là on va pouvoir un peu plus, on va dire, dormir, passer un peu de temps et dormir. Elle m'embête cette boîte. Ok, par contre... Oh la vache, ok d'accord. Ouais, quand je voulais voir aussi s'il faisait extrêmement noir dans les bâtiments, mais apparemment ouais. Donc ici dans les bâtiments il fait extrêmement noir. Ça marche. En tout cas, ça sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Donc, chaque week-end, 2 épisodes de la survie du week-end. Pour moi, ça, je les appelle comme ça. Et c'est sur The Long Dark en intrus, strictement en intrus. On est déjà à la saison 5. Et saison 5 avec pas mal de nouveautés. Il y a eu pas mal de nouveautés pendant cette saison. De mises à jour et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. On est à 200 et quelques jours. On survit extrêmement bien. 236 jours, donc on est dans le Canyon des Cendres. Ce qui est très bien, on est très bien équipé et il y a des nouveaux objets à trouver dans cet endroit-là. Donc ouais, plutôt cool, plutôt cool. Allez, bonne nuit à tous, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao, ciao.